Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, mon cher Mike. Happy birthday to you. Tu reviendras plus, j'imagine. ...1984, maison d'arrêt de Rheinbach. Oublie-la. Mike, la mienne, après 3 mois, elle a plus attendu. Elle s'est fait baiser par un autre mec. J'ai pas besoin de conte de fées ou que tu me remontes le moral, ok? Je m'inquiète pour toi, c'est normal. Laisse tomber. Bien, on bouge, on se gèle le cul ici. Allez vous asseoir là-bas. Klaus, vol avec effraction. Mike, braquage de banque. Monsieur Rhodes, je vous charge de vous occuper de Monsieur Stark. Je vous conseille de vous entraîner à la dictée à partir de ses poèmes, en dehors de mes cours. Je suis pas très bon à l'écrit. Les lettres ne viennent pas toujours dans le bon ordre, ça se mélange dans ma tête. Des poèmes amoureux ? Quand vous aurez épuisé vos plaisanteries, Monsieur Glovala, vous pourrez peut-être nous expliquer ce que Beul a voulu nous dire dans son récit. Aucune idée. Soyez un peu plus attentif et vous aurez peut-être une idée. À travers le bois flétri, un chant d'oiseaux qui s'élève vide de sens à travers ce bois flétri. Et cependant résonne ce doux chant d'oiseaux. Et cependant... C'est ta copine? C'est ma femme. Michel. Elle restera avec moi aussi longtemps que je serai en prison. Ça rend la vie ici plus supportable. Et toi, t'as aussi quelqu'un? Bon, j'en étais où? Et cependant résonne... ce doux chant d'oiseau... Et toujours le tenir comme ça. Ah, vous auriez dû voir leur gueule. Des flics, tu parles. Une bande de Mickey, ouais. Et t'avais quoi, toi, comme arme? Un Glock. Ou un Girco. C'est quoi, un Girco? Fabrication israélienne. Un chargeur de 14. Le modèle s'appelle Jericho. Quoi? Le modèle s'appelle Jericho. Ah bon, tu t'y connais en armes? Dans ce modèle, il y a des chargeurs de 10, de 15 ou de 20. Et pourquoi t'as atterri ici si t'es si fortiche? Parce que j'étais trop con et pas assez prudent. Et j'ai pensé que j'étais plus intelligent que les autres. Un peu con, non? Aussi lisse que le cul d'une femme. Et le cul de ta grosse, c'est un autre qui s'en occupe en ce moment? C'est pas con, ça? Klaus, il a compris. Il a compris. T'as compris, c'est vrai, là? Tout
tout le monde en cellule. ...1987, maison d'arrêt de Reinbach. Fais attention à toi. Bien sûr. Alex. Mets-moi une bière au frais, j'arrive. Compte sur moi. Fais gaffe à Glovala surtout, c'est un chacal. Mike. On se revoit dehors. La nouvelle? Klaus a échangé des coups de feu avec les flics. Mais il a pu s'enfuir. ...19 février 90, maison d'arrêt de Reinbach. Faites votre sac, monsieur Roth. Il est temps de rentrer chez vous. Combien c'est une suite? Une suite coûte 300 marks par jour. Combien de temps voulez-vous rester? Deux nuits. Bien, voici votre clé. Je vous souhaite un agréable séjour. Merci. Je fais monter vos bagages? Non, ça va aller, merci. Thank you.
Cherchez-vous de la compagnie, jeune homme? T'as pas pensé que je pouvais être sous surveillance? Je suis également très heureux de vous revoir. Ben dis donc, tu t'en fais pas, toi, au moins. Il me reste plus que 20 marques, mais fallait que je me paye ça. Santé. C'est quoi ton histoire de fusillade avec les flics? Tu voulais en tuer un ou quoi? Une balle qui a ricoché. Mais c'était pas exprès, je l'ai touché qu'au tibia. Mais tu voulais pas le tuer. Dans ce cas, il serait mort, tu vois. Et ça va, tu t'en sors? Bien, oui. Mais je cambriole plus les villas. Quoi? Tu rentres dans la légalité, c'est pas vrai. Braquage de banque, ça rapporte plus. Et plus besoin de porter une télé sur mon dos. Comment va Michel? Bien. Oui, bien. On va bien tous les deux. C'est sûr, on se voit plus tous les jours, mais on trouve toujours le moyen de se retrouver. À nous et à la liberté, chérie. T'as quoi en projet? Pour être franc, aucune idée. Il y a encore une place, si tu veux. Si je me fais reprendre cette fois, je suis bon pour 8 ans. Alex s'est procuré une machine à presser les plaques. On pourra se fabriquer des plaques d'immatriculation. Pour le contrôle de sécurité, il y a mon facère. C'est un homme fiable à 100%. Il fait aussi des super passeports. Ouais, mais ça fait un complice de plus. Autrefois, t'as bossé avec les gens qu'il fallait pas, Mike. Ouais, peut-être. Tu sais ce qu'ils deviennent, Rudy et Stéphane, maintenant? Ils écument les banques qui étaient à l'Est avant. Mais ils emploient les grands moyens, c'est pas notre style. Vous voulez démarrer quand? Juin, juillet. Des armes? On peut tenir toute la Rhénanie pendant 12 heures. Alors? Je vais y repenser. Qu'est-ce que tu dirais si je te disais que l'amour, c'est mon business? Ça m'est égal. J'avais oublié. Je te pose pas de questions. Et tu me poses pas de questions. Il faut rien que j'attende de toi. Il faut rien que t'attendes de moi. J'oublie encore autre chose. T'es pas un homme pour une femme. Et ça te convient? Je peux m'en aller si ça me convient pas. Pas vrai? Pas très prudent pour un homme recherché depuis des années. Ça fait déjà une demi-heure que je t'ai vu. Je marche avec vous. Après une série d'attaques de banques à main armée qui durait depuis 3 ans, la brigade anticriminelle a enfin mis la main sur les auteurs de ces braquages. L'un d'entre Rudy et Stéphane. Mais leur braquage de banque à l'Est, c'était une bonne idée. Mais quand même, ils ont tué des gens. On veut pas de ça, nous. C'est clair. Logique.
WIBC. Ok, en route. Tu connais Agadir ? Hein ? Agadir, au Maroc. Il fait toujours chaud là-bas. On se baigne dans l'Atlantique. Ah, je suis sûr que ça te plairait aussi. Et le Marx, ça vaut vraiment quelque chose encore. Dans quelques années, quand on aura mis de côté assez de thunes, Michel et moi, on ira vivre là-bas. Et toi, c'est quoi tes plans ? Honnêtement, j'y ai pas encore beaucoup pensé. Tout sauf la tôle. Oui. Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Bon, ben, soigne-toi bien. Oui, à plus. Alex viendra pas, il a la grippe. Chasse à l'homme sur un secteur de 5 km. Ben, on est déjà loin. Vous vous rendez compte? Oui, ça c'est clair. Une vraie promenade. Taisez-vous. Ils font compte de combien il manque. Plus de 400 000. Bon. Merci pour ton prêt. Va falloir se retaper une banque dès demain, vu la vitesse à laquelle tu dépenses. J'ai pas l'intention de léguer mon fric. Bon, allez, va voir Michel maintenant. Allez, oust! Vous vous aimez bien, tous les deux. Ah, tous ces poils de chien. T'as pas peur qu'ils te trouvent ici? Ils m'ont pas trouvé pendant toutes ces années. Et puis, ils connaissent pas mon nouveau nom, maintenant. Là. Servez-vous. À la vôtre. Santé. Santé. À toi, trésor. Mmh, il est drôlement bon. Mmh. C'est quelle marque ? J'en sais rien, il était en promotion. Je peux vous parler une minute ? Je reviens tout de suite. Mais alors, qu'est-ce qui se passe ? T'as repéré une nouvelle banque plus alléchante ou bien quoi ? Depuis quand ? Depuis un moment. Mais je suis en chimio, et ça se passe très bien, disent les toubibs. C'est sûrement ce qu'ils disent à tous leurs patients. Oui, mais t'es un homme encore jeune, enfin, je veux dire... Tu vas surmonter tout ça. Hein ? Oui. Sûrement. Mais pour le moment, je suis pas en état. Il faut plus compter sur moi. Mon Dieu, Alex, c'est... Qu'est-ce qu'on peut... Et vous savez, ce qui m'énerve le plus, c'est que j'ai arrêté de fumer. Par trouille du cancer du poumon, et j'ai une leucémie. C'est quand même un peu con. Alors ? Quand je pense à tous les cinglés autour de nous, qui arrivent à 80 ans et même plus, pourquoi il faut que ça tombe sur Alex ? J'ai pas mal cogité depuis. Pas de troisième homme. Il faut qu'on continue tous les deux, seuls. À partir de maintenant, c'est en hiver qu'on attaque, juste avant la fermeture, parce qu'il fait nuit. Ça devrait faciliter notre fuite. On se fait maximum deux ou trois banques et puis terminé.
Mais qu'est-ce qu'on fait le reste de l'année? On se repose, on dépense le pognon, on repère les banques, on se prépare. Mais faut pas faire la moindre erreur. Qu'est-ce que tu veux dire? On est trop mou dans l'action. Il faut tout de suite montrer que c'est sérieux, qu'on est un vrai commando. Ouais, t'as raison, c'est important de se faire respecter, mais... Exactement. Et on va se mettre au sport. On doit penser à leur caméra. Il faut se faire passer pour des mecs qui ont 20 ou 30 ans pour égarer les recherches. Ah non, alors là, c'est sans moi. Il faut se fixer un temps limite. 5 minutes et on sort. Peu importe ce qu'on a récolté. On sait même pas en combien de temps les flics peuvent rappliquer. C'est pour ça qu'on choisira les banques où il n'y a pas de commissariat dans le bled. Pour pouvoir se tailler avant que les flics arrivent de la ville la plus proche. Il suffit de faire le trajet avant eux et de chronométrer. Bonne idée. Bon, ça suffit. Fais gaffe à pas te tâcher. Oui, maman. T'as entassé je sais pas combien de millions et tu bouffes des sandwichs. Logique. Quand je travaillais autrefois, je mangeais pas non plus du filet. T'en veux un bout? Non. Merci. Pourquoi tu notes ça? Si on veut falsifier des plaques, vaut mieux prendre quelques numéros de flics. Au cours d'une patrouille, ils penseront que c'est des collègues qui rentrent à la maison. Ah, dis donc, tu deviens un vrai pro. Et c'est parti. On a besoin de deux voitures. Une pour le braquage, une autre pour partir le lendemain matin dans les embouteillages. Comment ça, tu veux qu'on passe la nuit ici? Le lièvre qui se sauve est rattrapé. Celui qui fait le mort survit. Ça fait 7 minutes. 2 janvier 92, Castellarm. C'est un diable! Tout le monde à terre! Tout le monde à terre, j'ai dit! Qui a les clés du coffre? Le caissier et moi. Alors en avant! Hop, 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 hop! Plus vite! Avance! 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 On reste par terre! Si tu veux garder tes reculs en bon état pour sauter ta petite amie, t'as intérêt à manier le train. Allez, allez, allez. Tu ressors. Vite, 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 vite. Stop. Cochet, cochet.
Il cherche une Golf. Mais pas de signe distinctif. T'as pas faim, toi aussi? Non. Je vais faire un repérage. Ciel étoilé. Dommage qu'Alex soit pas là pour voir ça. Ils disent qu'ils nous ont. Ok, fin de l'alerte. Ils ont déniché trois autres types. Tu m'as foutu la trouille, toi. Là, il parle d'une BMW camouflée. Bon, alors là, faut qu'on se tire. Non, mais tais-toi! Il y en a un qui a trouvé un vieux sandwich avec de la moutarde qui pue la merde. Très spirituel. Janvier 93, Poudrebach. C'est un top, tout le monde à terre. Bougez! Par terre, je dis allez, 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 allez. 8 décembre 94, Kranenbourg. Tout le monde à terre. C'est un top. Poursuivez par terre. Janvier 96, Reichelsheim. Tout le monde à terre. C'est un top. Par terre. Poussez-vous. Hé, hé, hé. 19 décembre 96, Wilsdorf. Jusqu'à 100. J'en étais qu'à 57. Premier août 99. Police judiciaire, Bonn. Des fausses plaques numérologiques. Mmh. Comme les hold-up à l'Est il y a 7 ans. Même contrefaçon. C'est confirmé? Ouais. Quatre États fédéraux, dont quatre sièges de police judiciaire, quatre procureurs d'État en fonction. À côté de ça, l'unité du Parlement, c'est de l'enfantillage. Je sais. Mais il faut arriver à les convaincre qu'il s'agit bien d'une série. Il y a en Rhénanie-Westphalie 200 braquages de banque par an, c'est-à-dire en gros un par jour. On va se marrer. Qu'est-ce qu'il y a? Tu peux me prêter de l'argent? Pour mes études. Combien? $3,000. Ça irait? Ne fais pas de soucis, je m'occupe de tout. Va t'amuser, ma chérie.
C'est quoi sa spécialité? Littérature? Entre autres, oui. J'aimerais bien comprendre quel est ton problème. Pourquoi il faut absolument que tu baisses tout ce qui bouge? Je t'avais prévenu, on ne me change pas. Ouais, c'est pas pour ça que je m'en porte mieux. Mais je peux toujours partir si je veux. Pas vrai? Pas vrai? On ne triche pas. Je triche pas. Qu'est-ce que t'as? La tension, oh, c'est pas un climat pour moi. Mais le médecin aussi le dit. Tu prends bien tes médicaments? Bah oui, je crois. Si on était au Maroc, j'aurais pas besoin de tous ces trucs. Chérie, on n'a pas encore assez de thunes pour aller vivre là-bas. Ça fait combien de temps que tu dis ça? Oui, te voilà, mon petit mignon. Oui, il est si gentil. En fait, on aurait de la place pour un autre chien. Il fait assez de saleté comme ça. Tu es le chien d'un horrible type. Un horrible type. On ira au Maroc, je te promets. Dans l'état de la S, ils croient pas à une série. Au Palatinat, ils y croient, mais ils pensent pas pouvoir serrer les deux types. Et ceux de Stuttgart? Ils veulent rien avoir à faire avec ça. T'aurais pas une bonne nouvelle? On a le feu vert de la Rhénanie-Westphalie. Pas de soutien financier des régions, mais on nous laisse mettre en place notre dispositif. Ça, c'est super. Combien de gens on aura? Trois. Trois? Oui, c'est peu, mais c'est quand même ça. Bon, alors on démarre. Je peux finir mon café? Oui, excuse-moi. Comment on va l'appeler? J'en sais rien, peut-être. Pourquoi pas Opération Hiver? Bien, je vais être bref. Il y a du boulot, plus qu'on en voudrait. Tout d'abord, séparer le bon grain de l'ivraie. Vous avez là les attaques de banque des 10 dernières années avec le même mode opératoire, environ 300. On a affaire à deux individus qui ont braqué ensemble 21 banques, peut-être même plus. Il va falloir les démasquer. Ce sont nos deux criminels. Les témoins les décrivent comme des hommes de taille moyenne, âgés de 20 à 30 ans et très sportifs. Concentrez-vous sur les cas qui répondent à ce type de profil. De monnaie en échange. Voilà, monsieur. Merci. Février 99, poudre pas. Allez, cassez ma porte. Je te dis d'ouvrir la porte. Allez, passe devant!
Il y a un mec qui voulait trafiquer la moto. Oui. Un instant, s'il vous plaît. Quittez pas. Hold-up à Powder Bar, conforme aux autres. Brotman, j'écoute. Surtout, appelez-moi immédiatement dès que vous avez du nouveau. Merci. C'est nos deux Lascars. Ils ont refait surface. Combien t'as dépensé pour tes nouvelles vacances? J'en sais rien. Disons 1500 la semaine. Aucune importance, c'était génial. C'est exorbitant. Les belles choses coûtent cher. Moi, j'aime bien distribuer les pourboires. Putain, à quoi ça sert ton fric si t'en profites pas? Qu'est-ce que tu fous avec ton sandwich minable et ta connerie de thermos de café? Je te jure, je comprends pas. Je te demande pas de comprendre. Parfois, j'ai l'impression qu'ils se foutent vraiment de nous. Faut attendre. Un jour, ils feront un faux pas. Plus ils seront sur deux, mieux ce sera. Encore une, s'il te plaît. T'en veux une? Merci, non. Ma femme m'attend pour dîner. Tu veux que je te ramène? Non, c'est pas la peine. Il y a personne qui m'attend. Je croyais que t'avais une famille. On vit séparés. J'ai droit à ma fille qu'un week-end par mois, quand elle veut bien venir. T'as des enfants? Ouais, deux petites filles. Eh ben tu sais, je vais en reprendre une. C'est possible qu'un jour on se fasse prendre, mais alors je veux avoir bien vécu. Et puis si ça continue comme ça, il n'y aura plus de braquage de banque. Les mesures de sécurité sont de plus en plus strictes. Alors profites-en le temps que ça dure. Mais moi je peux pas, comme toi, jeter le fric par les fenêtres. Ouais, ok, alors me demande pas tout le temps combien ça coûte ça ou ça, d'accord? Vous avez peut-être du feu? Oui, bien sûr. Plaisir. Tu peux me déposer chez Michel avant ta sauterie? Évidemment. Elle est bonne. Attends, attends, j'en ai une autre. Attends, attends. Oh, merde. Les portables. Oui? Oui, ma chérie, oui. Oui, et je suis désolé, j'étais là à bavasser avec un collègue, j'ai pas vu l'heure. Et... Oui, j'arrive tout de suite. Mais si, je te promets. Oui. Je vais prendre un taxi. Tu fais quoi, toi? Là, je vais faire un tour au bureau. Tu veux pas essayer de décrocher? Promis, j'essaierai. À demain. Ouais, à demain. C'est quoi ce foutoir? Appelle pas chez elle. Je vais prévenir Sabine. Merde. Pour qu'elle aille se renseigner. Qu'est-ce qui se passe encore? J'ai trouvé un autre hold-up. Où ils ont aussi utilisé un masque de Rambo.
sur la carte, il n'y a pas encore de petit fagnon. C'était quand ? 19 décembre 96 à Wilnsdorf. Montre-moi. Face à la banque se trouve un commissariat. C'est pas conforme aux autres, c'est pour ça qu'il n'est pas sur la carte. Oui, mais les traces dans la voiture abandonnée à Wilnsdorf ont été aussi effacées au dioxyde de carbone. Des imitateurs ? Non. À Wilnsdorf, le commissariat ferme à 17h. Ce genre d'opération, ils en font 100 par jour, c'est de la routine. Je lui ai répété des milliers de fois de les prendre, ces putains de médicaments. Pourquoi la plupart des gens ne comprennent ça que lorsqu'ils tournent de l'œil ou qu'ils se brisent les os ? Klaus, tout va bien se passer. Les hommes que nous recherchons ont les mêmes connaissances que leurs collègues de l'Est. Parce qu'ils ont le même procédé pour les fausses plaques ? Oui, tout à fait. Maison d'arrêt de Rheinbach dans l'LC. C'est là qu'étaient les types de l'Est avant de fuir. Voici le tableau de tous les détenus qui sont passés par Rheinbach à cette époque. La série démarre en 1988. Ils étaient toujours deux, avant et après 1990. Ce n'est que le 12 septembre 90 à Taunus qu'apparaissent trois individus. Pourquoi ? Peut-être qu'une fois ils ont essayé avec un troisième homme et qu'ils ont remarqué qu'à deux, c'était aussi bien. Ça veut dire qu'ils ont un complice. Mais pourquoi ils restent dans l'ombre ? Peut-être qu'ils lui ont refilé une part du butin ? Je vois pas pourquoi un braqueur refilerait du pognon à un mec s'il prend pas de risque. Donc de 88 à 89, les hold-up ont lieu en été ou bien au printemps. À partir de 90, tout change. Donc il s'est produit un événement. L'un des trois participe de 88 à 90 au hold-up, puis il s'arrête. Je pense que celui qui s'est arrêté devait être le maillon faible de la chaîne. C'est sur lui qu'il faut centrer l'enquête. Les candidats potentiels sont là, sous nos yeux. C'est pas juste. C'est vraiment pas juste. Ils se sont donné aucun mal. Tout ça parce que c'est une étrangère. Tu disais que ça se passerait bien. C'est une thrombose. C'est rare, mais ça arrive. Mais pas à Michel. On a Alex Greif, condamné pour hold-up, qui sort en 88 de Rheinbach. Il est pas trop vieux ? Il devrait avoir entre 20 et 30 ans, selon tous les témoins. Eh ben alors dans ce cas, on élimine Alex Greif, Hans Abo, Klaus Stark, Herbert Glowala, Michael Lehmann, Bastian Schrade, Klaus Schmeisser et Michael Roth. Il y a quelque chose qu'on voit pas ! C'est pas possible qu'ils se foutent de nous comme ça pendant des années ! Putain de merde ! Réexaminez chacun de leurs braquages à fond, appelez tous les centres de police, qui mettent tous leurs services en branle. Ils ont bien dû laisser une parcelle d'ADN quelque part. Ils mettent ma femme sous terre et je peux même pas être là pour l'accompagner. Quelle merde ! Merde, merde, merde ! On peut tout arrêter, si tu veux. C'est pas ça qui la fera revivre. Le Maroc,
Depuis des années, je lui avais promis. Il faut qu'on aille au Maroc. Qu'est-ce qui est arrivé à cette femme ? Juste une faiblesse cardiaque aujourd'hui, ça va. On se focalise sur les mauvaises personnes. Jusqu'à présent, on n'a pensé qu'à leur jeunesse. Et on a éliminé tout cela parce qu'ils ont plus de 40 ans. Les deux hommes qu'on recherche sont pas des têtes brûlées. Ils n'ont pas entre 20 et 30 ans. Leur façon de faire prouve qu'ils ont une expérience du diable. Ils sont réfléchis, précis, disciplinés. Mais tous les témoignages se rejoignent sur une priorité, leur âge. Comment tu expliques ça ? Et ces mecs sont masqués, portent des combinaisons d'hiver. Comment savoir leur âge ? À leur voix, la façon dont ils bougent. À leur voix, une voix, ça se maquille. Et les mouvements, ça trompe pas. Justement. Souple, rapide, ils sautent par-dessus le guichet. Je vais te dire pourquoi, moi. C'est comme nous. Comment ça, comme nous ? Parce qu'ils s'entraînent. Ils veulent paraître plus jeunes pour nous lancer sur des fausses pistes. Alors moi, je te dis qu'ils ont plus de 40 ans. Il faut se concentrer sur ce tableau. Je suis pas convaincu. Et il faut quoi pour te convaincre ? On est en train de se battre en plein brouillard, en train de se mordre la queue, on est bon qu'à faire du surplace. Je suis toujours pas convaincu. Pourquoi ces deux types sont encore libres ? Parce qu'on accepte de jouer leur jeu. À demain. Pourquoi un homme dissimule sa douleur quand il se tord la cheville ? Aucune idée. Pour pas lâcher son personnage. Parce qu'il a peur qu'on devine son âge réel. T'avais raison. Ces deux-là sont plus vieux. Allez! Pas de mort, t'as oublié? Ils sont encore en pleine santé. Oui, mais t'aurais pu les tuer. Si tu veux te venger à cause de Michel, fais-le, mais sans moi, c'est clair? Est-ce qu'on est mariés? Alors me parle pas comme ça. Faut bien que ça rentre dans ta petite cervelle. Lâche-moi, tu veux ? Sinon quoi ? Sinon ça ! Est-ce que je peux te croire sur parole ? Hein ? Oui ou non ? Oui ou non ? Ça va.
Oui, tu peux me croire sur parole. Castellaon, 1992. Dans la voiture où ils ont fui, on a retrouvé une bouteille d'eau. Et alors ? On a enfin des traces d'ADN dans cette bouteille de flotte. Voilà. Non, je peux pas. C'est pas pour vous, c'est pour les petites bêtes. Ok, merci. Mais ça reste entre nous. Oui, d'accord. Klaus ? Klaus Stark ? Glovala. Depuis quand t'es dehors ? 4 ans. Et qu'est-ce que tu fais ici ? Je récupère mon pitbull. Tu penses qu'il te reconnaîtra après toutes ces années ? Le Martinet, je pense bien qu'il s'en rappelle. Possible. Bon, j'y vais. On se reverra. Pas si je te vois le premier. Klaus Stark est en fuite depuis 1988. Michael Lehmann pourrait nous intéresser. Il a été condamné pour tentative de hold-up. Non, il est mort. Il nous reste donc sur la liste Klaus Stark, Herbert Glovala, Alex Greif, Bastian Schrader, Michael Roth, 5 hommes. Je propose qu'on les convoque tous pour un test ADN. Mais les deux qu'on recherche vont savoir tout de suite qu'on est sur leur piste. Pas difficile de trouver un prétexte. Excusez-moi, mais... la chimio... Stark, Roth, Lehmann... Parmi ces 3 détenus de Rheinbach, vous avez revu quelqu'un ? Depuis ma sortie, j'ai tiré un trait sur le passé. Aucun des 3 ne vous a rendu visite ? Non. Il y en a un qui a fait une connerie. On va pas vous ennuyer plus longtemps, merci. Alors, quoi de neuf ? J'ai reçu une convocation. Ils veulent un échantillon de salive. Apparemment, c'est pour un braquage de banque dans la région de Cologne. Tu peux y aller sans problème. Non, je crois pas. C'est un prétexte. Ils doivent avoir quelque chose en main. Mais quoi ? Ouais, chérie. Qu'est-ce que tu vas faire ? Et puis ça me revient. Les flics sont allés voir Alex. Ils lui ont posé des questions sur nous. Mais alors, tu penses qu'ils ont du concret ? Non, je crois pas. En tout cas, il faut qu'on soit encore plus prudent. Ça va, toi ? Tout va bien. Sauf que... j'ai rencontré Glovala. Ma première envie, c'était de lui foutre sur la gueule. Il t'a reconnu ? Et d'abord où tu l'as vu ? Au refuge pour chien. Mais j'ai pu me barrer avant qu'il ait le temps de me poser une de ces questions à la con. Tu veux donner ton chien ? T'es pas un peu fou ? J'ai distribué un peu de fric. Michel pensait que ces bêtes-là étaient encore plus malheureuses que la plupart des gens. Qu'est-ce que tu vas faire avec l'ADN ? Tu m'en fais une, Marco ? Sur mon compte.
Dieu, Mike. Ça faisait longtemps. Oui, on peut le dire. T'as déjà visité Aircrat? Est-ce que c'est aussi chaud et trépidant qu'on le dit? C'est pas mal. Ça te dirait de gagner 10 000? Oh. Bonjour. Bonjour. Mon nom est Roth, Michael Roth. J'ai reçu une convocation. Je vous en prie. Merci. Oui, j'ai besoin de votre carte d'identité, s'il vous plaît. Vous ne vous sentez pas bien? Je suis pas dans mon assiette. J'ai dû prendre froid. Je vais effectuer le prélèvement. Voulez-vous ouvrir la bouche, s'il vous plaît? Soignez-vous bien, monsieur Roth. Merci. Pour le test ADN, nous avions 5 candidats. Aucun d'entre eux n'a touché à cette bouteille d'eau. Ce qui signifie deux choses. Ou bien, notre thèse est fausse, ou on n'a pas sélectionné les bons. Alex Greif est exclu. Il a une leucémie, il est en traitement depuis 1992. Pendant le dernier cas, il était justement en chimio. Mais jusqu'en 90, il a pu y participer. Son passé criminel pourrait le désigner comme le trait d'union entre les braqueurs de l'Est et les nôtres. Michael Roth est comme avant au chômage. Libéré depuis 90, on peut se demander s'il est capable de mener une telle opération. Avant, il n'a eu qu'un seul hold-up à son actif. Bastian Schrader a émigré entre-temps en Afrique du Sud. De là, ce genre d'entreprise paraît difficile à exécuter. Herbert Klovala vit en Rhénanie-Palatinat. Il est représentant. Ce qui veut dire qu'il bouge beaucoup. Il lui serait donc aisé de repérer les banques au cours de ses tournées. Oui. Et puis nous avons Klaus Stark, qui me paraît être le plus intéressant. Il est en fuite depuis 1988, c'est-à-dire 12 ans. En cavale pendant 12 ans, impossible de vivre en travaillant en noir. Vous croyez que c'est l'un de nos deux individus? Oui, mais pas le meneur. Car depuis 88, Alex Greif est dehors. Et à peine 3 mois plus tard, la série commence. Après la sortie de Glovala et Roth, nous avons ce braquage à 3. Puis Alex déclare forfait à cause de sa maladie. Le nouvel homme édicte de nouvelles règles. Les attaques sont plus efficaces et plus professionnelles. Donc, comme tête pensante, je pencherai pour Glovala ou pour Roth. Ou alors quelqu'un qui n'a jamais été incarcéré à Rheinbach. Quelqu'un que Stark ou Greif ont connu autrefois. On cherche une aiguille dans une botte de foin. Bien. D'autant qu'aucun de ceux-là n'a laissé de trace ADN. Donc si ta thèse est la bonne, elles viennent de Klaus Stark. Exact. À mon avis, c'est Klaus Stark, notre cible. Mais pour le placer sous surveillance, il faut d'abord le trouver. Et si nos collègues sont depuis 12 ans sur le coup... Il suffit d'être meilleur qu'eux. Dis-moi, ta nouvelle, c'est quoi son nom? Claudia? Non, l'autre. La toute nouvelle. Celle aux cheveux noirs. Oh, puis je m'en fous. Par contre, le problème, c'est qu'elle m'a appelé. Elle t'a appelé? Oui, et c'est chiant. Avant tout, j'aimerais savoir comment elle a eu mon numéro. Je ne sais rien, je te jure, j'y suis pour rien. Qui passe son temps à dire qu'il faut jamais rien laisser traîner? J'ai plus qu'à changer de numéro de portable, et tu sais comme c'est foutrement compliqué pour moi. Qu'est-ce que t'as besoin de t'envoyer en l'air avec 10 bonnes femmes? Bon Dieu, qu'est-ce que ça t'apporte? T'as la trouille qu'on t'abandonne encore une fois, hein? Dis le petit bourgeois qui met tout son pognon à la poste. Ma vie privée ne présente aucun danger pour nous. Et moi, en tout cas, je donne pas ton numéro de portable. Glovala ou Roth? L'un des deux, c'est sûrement où Stark est planqué, mais lequel? On n'a qu'une balle de match. Si on choisit le mauvais, il prévient Stark. Qui prévient son partenaire et ils disparaissent dans la nature. Et toutes ces années de travail s'envolent aux fumées. Alors, t'es pour qui? Glovala ou Roth? Pile Glovala face Roth? Ok. Michael Roth. Oui. Je sais pas pourquoi je préfère Glovala. Moi aussi.
Oui, mon gros, oui. Oui. Hein, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Allez, viens. Là, au moins, personne viendra trafiquer notre moto. T'as lu ça? Une commission d'enquête exprès pour nous, et uniquement axée sur nous. Je sais pas. Peut-être que cet article est un signal pour que on décide d'arrêter. J'ai plus une thune, moi. Mais je parle pas d'aujourd'hui ou de demain. Ils peuvent rien contre nous, ils veulent juste nous stresser, mais ils ont rien. T'en es si sûr? Fais-moi confiance. Il faut juste qu'on change un peu nos habitudes. C'est pas à vous qu'on en veut, monsieur Glovala. Nous, on s'intéresse à Klaus Stark. Pour tentative de meurtre? Braquage de banque. Avec son complice, ça fait 11 ans qu'ils écument les banques. Stark qui pille des banques? Celle-ci. Celle-ci. Ces trois-là, etc. Ça en fait combien? Au moins 30. Et là, pour chaque banque, il y a une récompense. Alors, c'est-à-dire, si je vous aide, de façon à conduire à leur arrestation, alors la récompense est pour moi, non? Enfin, je sais pas où il habite, mais je sais qu'il s'appelle Vogt maintenant. Mais récemment, c'était encore une banque normale. Il vaut mieux qu'on pousse jusqu'à Dabringhausen. Mmh. 7 décembre 2000, Dabringhausen. La banque est attaquée. Appelez la police. Connard, celui-là. Les flics sont en chemin, tu crois? Et pourquoi je la prends maintenant? Ils ont passé la nuit sous vos fenêtres. Déclenchez tout de suite la chasse à l'homme. Fouillez en premier les motards et les voitures avec remorque. Ah, autre chose, changez notre fréquence radio. Ils l'ont, c'est évident. Ils ont tapé à Dabringhausen. Il est probable qu'ils filent à moto. Le chauffeur de poids lourd a vu des casques dans leur voiture. T'as vu un peu comme ils sont armés? La bande à Bader est de retour. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que vous transportez dans votre coffre? Le triangle et une mallette de secours. Vous voulez bien descendre? Et l'ouvrir, s'il vous plaît. Le fusil à pompe est dans le carter.
que vous cherchez? Si c'est pas indiscret. Rien de particulier. Vous voulez voir le contenu? Merci. Qui mettaient en place leur chasse à l'homme. Mais ils ont changé la fréquence. Ils se doutent bien qu'on écoute. Ton fusil de merde, tu le ressors plus. C'est un flic normal qui a peut-être des enfants. Ils pouvaient choisir d'être boulanger. Et où est la deuxième planque? À moins de 10 minutes. Il n'y a pas eu de moto ici. Ils sont partis dans une autre voiture. Eh ben voilà. C'est pas un hasard. C'est-à-dire? On a toujours vu des casques quand ils prenaient un deux roues pour fuir. Et là, on voit encore des casques, mais deux voitures. Super. Et nous, on fonce tête baissée dans le panneau. Excuse-moi, mais je vois pas ce qu'il y a de drôle. Ils ont changé de méthode. Pourquoi donc? Mais j'en sais rien. Et puis je suis pas d'humeur à jouer au rébus. À cause de l'article. Ils savent maintenant qu'on va être sur leur dos nuit et jour pour les foutre en prison. Si tu veux mon avis, ils nous envoient un message. Ah. Et c'est quoi le message? Ils nous disent on est trop futés pour vous. Il nous faut encore un quatrième braquage. Et je te suivrai peut-être au Maroc. Tu nous vois au Maroc. Tous les deux sur la plage, un bronzé au soleil d'Agadir, les doigts de pied en éventail. Mais il faut taper très vite, dans 2 semaines. Dans 2 semaines? Mais t'es fou. On a trop peu de temps pour préparer le terrain. Si on veut, on peut. La commission qui doit enquêter sur nous ne pourra être effective qu'au mois d'octobre prochain. Je suis pas si sûr que ça. Ils ont bien trop de boulot. Ils penseront jamais qu'on repasse à l'attaque aussi vite. Mais il y a une chose qu'il faut prendre en compte, les caméras infrarouges. Tu crois qu'ils vont installer ces trucs-là exprès pour nous? Je sais pas, mais en tout cas, ils les utilisent déjà. Il faut pas être pris au dépourvu. Il s'appelle Faubt, comme Glovala nous l'a dit. Janvier 2001, Morsbach. Oui. Quand ça? On se met en route. Braquage à Morsbach. Conforme en tout point. Ce serait le quatrième dans l'hiver? Oui, alors, on a besoin d'hélicoptères. Bien sûr, on continue à ratisser à l'ouest.
T'as vaporisé le produit sur les bottes? Oui, bien sûr. De toute façon, dans l'eau, les chiens peuvent pas suivre nos traces. Infrarouge, possible. Positionnez-vous au-dessus du pont et bougez plus. La chasse à l'homme continue. Il faut encore attendre. C'est notre dernier casse. C'est moi. La voiture est en réparation. T'as réservé les vols? Oui. Merde, ils abandonnent. Bon, je décommande les garages. Et les voitures. Faut les faire disparaître. D'accord, à plus tard. Mike, viens chez toi, ok? Ok. Mike, c'est qui Mike? Michel Roth. La voiture en réparation. Faut loger la voiture. Faites quelque chose? Tu peux t'imaginer vivre au Maroc? Nous deux et les autres? Non. Que tous les deux, seuls. Il était temps, salopard. Alors, jeune homme, qu'est-ce qu'il y a de si urgent? Alex est venu me voir. Comment il va? Pas bien. Il a besoin d'argent pour un traitement très cher. La maladie l'a beaucoup changé. Tu vois ce que je veux dire? Fais chier. Alors quoi? Faudrait lui donner le fric de notre dernier hold-up. Ouais, mais ensuite, t'es fauché. Y a plus qu'à se refaire une banque. On avait dit que c'était fini.
Alors donne-lui du fric. Pourquoi moi? Parce que toi, t'en as de côté. Si t'avais pas acheté ton pognon par les fenêtres, t'en aurais largement autant que moi aujourd'hui, ouais, mon vieux. Merci pour la leçon de morale. Mais ça va pas nous mener très loin. Alors soit on se refait une banque, soit il faut que tu lui files le fric. Ça va, j'ai compris. Eh ben, on se refait une banque. Bonjour. Commencez par le fond, d'accord ? Avant Heimbach, il doit y avoir un bouchon. Espérons que c'est redevenu fluide. Voiture 1 à voiture 2. Selon toute vraisemblance, les suspects vont taper à Heimbach. Nous avons besoin d'une brigade d'intervention en position. Terminé. Oui ? C'est Dieter. Dis-moi, c'est possible que ta bagnole soit recherchée ? Quoi ? Pourquoi ? Parce que j'ai eu deux flics dans mon garage pour ta voiture. En uniforme ou civil ? Civil. T'as une idée de ce qu'ils voulaient ? Peut-être qu'ils ont infesté ta caisse de punaise. Qu'est-ce que tu racontes ? Je roule au mazout, mais c'est tout. Merci pour le tuyau, en tout cas. Salut ! Ouais, salut. Qu'est-ce qu'il y a ? Des conneries. Dieter voit des fantômes partout. Laissez passer. Sinon, ça va canarder partout. Ici le commissaire Goegis, opération hiver. Nous sommes bloqués par un barrage policier sur la... Alte-Römerstrasse. La Alte-Römerstrasse. Mettez-moi en communication avec le collègue qui est en service. Oui, et en vitesse. Urgence absolue. Je vous dis qu'on est coincé sur la route par un barrage. On peut plus avancer. Eh bien, passez-le-moi, putain de merde! Contrôle de police, permis de conduire et papier du véhicule, s'il vous plaît. Tu peux vérifier ? Ouais, ok. Information sur le véhicule. Émile, tiré, Dora, Siegfried. Le triangle et la mallette de secours dans le coffre ? Oui. Mon collègue va vous tirer dessus. Sa femme est à l'hôpital en train d'accoucher. Tenez, allez-y et tâchez d'être prudent. Merci. Direction de Heimbach. T'es sûr ? Oui. Merde ! Appelle Sabine, qu'elle mette son bikini dans la valise.
partent au Maroc. Voiture 1, voiture 2. On n'a pas de preuves valables, ça tiendra pas devant un tribunal. Il faut prendre le risque. Hérode fera 48 heures de garde à vue, et comme on n'a rien de notre côté à présenter au procureur, il sort et il se tait où il veut en toute impunité. Je sais. Mais si on les laisse filer, on les reverra plus jamais, jamais. Voiture 1, voiture 2, on tape. On tape. Tu vas baisser ce flingue. Espèce d'idiot. J'aurais dû tirer. On n'a dit pas de mort. Michael Roth et Klaus Stark furent condamnés par le tribunal de Bonn à 15 ans d'emprisonnement. Les commissaires Protmann et Geugis sont toujours en fonction. Roth et Stark n'ont jamais révélé où ils avaient caché leur dernier butin.